Bah non, on va pas voler mes coffres. Tu peux faire tous les coffres. Alors les coffres, c'est pas possible. Ok. Mais par Ouais, contre, en... si tue certains monstres. ils peuvent tuer certains monstres, on va dire, et prendre les compos qui finiront par repop, évidemment. Puisqu'en fait, tout ce qui est dans ton monde finira par repop. Mais ce que je veux dire, c'est que, on va dire, si t'avais besoin de certaines compos, en gros, ben lui farmerait en fait les compos que t'as besoin, et toi tu pourrais plus farmer pendant, alors sur les choses importantes, c'est à peu près 3 jours. Ça repop tous les 3 jours. Ah ouais. Donc en gros c'est ça, il faut faire. En gros, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ton monde, tu sais ce qu'il vient chercher, tu sais pourquoi il est là, et en général, bon ben voilà, ça se fait pas n'importe quoi. Alors du coup c'est dans l'autre sens, je pense. Ouais, il va être là, voilà. Épreuve de la cloche, ouais, flemme de faire les épreuves après, frérot. C'était bien par là du coup. Ok. Alors, je vais vite regarder. Alors, ça m'a fait quoi cette histoire? Ah super. Super, super. Hop, il y a un TP ici, on le prend. Un prochain TP, c'est celui-là à débloquer. Ok, c'est parti. Dans une petite dizaine de minutes, je pense que j'y suis. Bon, ça va. Ça va, c'est pas si long que ça. Ouais, c'est pas si long que ça, j'aurais pensé pire, hein, Je vraiment. m'attendais à bien pire. Ah ouais. Alors, celui-là. Bon, ouais, avec plus d'endurance, ça serait aller plus vite, hein. Oui. Juste les animaux. Non, j'avais commencé à faire la montagne enneigée, mais c'est une horreur à faire. Enfin des monstres que je reconnais. C'est moi ou ça a replanté? Les mobs ils sont trop beaux par contre. On va voir. Ah ouais, ça avait replanté. J'arrive au niveau de la mer, je suis dans les déserts, c'est-à-dire que c'est fontaine, c'est ça? Oh, c'est trop beau! À Fontaine, quand t'arrives, c'est Avec la grande ça. cascade et tout là? Ah ouais, C'est là, voilà, c'est ça. magnifique! J'avoue que compliqué de pas aimer un jeu comme ça. Ah ouais! C'est vraiment. Moi, on va dire que la découverte de chaque région a été à chaque fois vraiment quelque chose, quoi. Ça a vraiment été une impression assez sympa. Ouais, les fontaines plus que les autres. Parce que La Fontaine, fontaine. quand t'arrives, c'est vraiment. Par contre, faut nager quoi. Alors non, normalement t'as un bateau. Ah oui, il y a un bateau tout en bas. Ok, moi je vais aller dessus. Alors, c'est pas un bateau qui est.
Alors, tu regarde, t'es sur mon stream toujours? Alors, regarde. En fait, si tu regardes, normalement ta carte, tu dois être par là. Voilà, je pense que Hop tu là, dois être. pile au trou au milieu de Voilà. l'océan, je suis là. Et en fait, là, ce logo-là, ici, que t'as là, c'est Ouais. pour invoquer un bateau. Y compris ici, là. Ok, d'accord. Voilà. Bah, faut que Ici, j'aille sur là. celui-là qui est de gauche. Voilà, Hop, j'y vais. celui-là qui est ici, là, en fait, tu verras, c'est un bateau. Ça invoque ton bateau, quoi, ton petit bateau. Qui te permet de traverser, en fait, les parties de mer, tout ça. Voilà. Invoquer la barge. Hop, monter à C'est bord de ça. la barge. C'est trop One classe. client, two clients, three clients. Le son de la cascade et tout, c'est incroyable. Attends, tu peux tirer avec le bateau et tout? Oui. Et comment je sors du bateau? Alors tu joues sur PC? Ouais. Espace. Tu D'accord, quand il s'appuyait sur maintiens un espace. Ok. espace. Et maintenant, faut que je monte en haut. Alors, par où on monte? Un ascenseur, s'il vous plaît? Y en a un. Ah, le chien qui s'appelle Baguette. Le voilà, le fameux. Oh là là. Voilà la cause de pourquoi j'ai commencé Genshin, ce chien à la con qui m'a fait marrer. Ah, tu vas trouver pas mal de choses comme ça qui sont des petites références qui sont marrantes. Parce que Fontaine, ça a été inspiré de la France, de ce que j'ai C'est ça. compris. C'est ça, bah tu vas retrouver dans les plaques parce qu'en fait t'as tout je sais pas si t'as vu mais t'as la cuisine, tout ça et dans les plats tu retrouves le foie gras, tu retrouves les lasagnes, en fait tu retrouves des trucs qu'on trouve ici typiquement quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore et plein de choses. Et hop, on va activer le TP. Et le TP, il est là. Ah, ça m'a débloqué qu'une petite partie. Ok, d'accord. Ah oui, il y a quand même pas mal de TP ici. Ouais, en fait, tous les gros TP, en fait, c'est ce qu'on appelle Les statues des 7. les statues des 7. Et en fait, les statues des 7, ça te montre la région. Ça te débloque une partie où tu peux avoir visualiser la région. J'en ai débloqué pas mal sur la route, sauf ceux qui étaient en bas à gauche parce qu'ils étaient pas du tout sur la route. Attends, 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 il y a un tram, enfin un taxi sur l'eau. Oui. C'est trop bien. C'est banger. Ah non mais le jeu est incroyable, franchement, enfin voilà, après moi je te dis j'ai découvert ces pattes que t'as vues la dernière fois là qui me l'a fait découvrir quoi. Elle jouait toute seule et puis elle me disait toujours chaque fois qu'on se voyait elle me disait tu veux pas jouer avec moi? Tu veux pas jouer avec moi? Et puis moi j'étais sur d'autres jeux et puis j'ai dit ouais bon je vais venir voir ton jeu et j'arrêtais pas de lui dire mais j'y allais jamais. Et puis en fait un jour j'avais plus grand chose à jouer. Et pareil, elle me dit, tu veux pas venir jouer avec moi? Et j'ai dit, ah ben tu sais pas, j'ai rien à jouer en ce moment, j'installe le jeu. Et je lui dis, et puis on va voir. Ben voilà, ben ça fait bientôt 3 ans maintenant, et puis Oh voilà. putain. C'est pour ça, ce jeu, c'est une drogue, c'est. Ah, oh, c'est trop agréable le petit taxi sur l'eau. Oh, cette région a l'air trop bien, je suis pressé d'y être dans les quêtes. Et il y a beaucoup de joueurs, hein. Franchement, il y a vraiment beaucoup de joueurs sur Genshin. Et beaucoup de joueurs qui restent.
Voilà, pour l'instant, moi ça me met bien de toutes les quêtes que j'ai fait, l'histoire est cool. Ah, En mais tu vas. soi, pour l'instant, la prise en main n'est pas compliquée, à voir quand j'aurai des combos de personnages à faire et tout. Mais... Yes. J'ai la pièce d'échec qui me manquait. Nickel. Parce que dans C'est en soi, dans bien. ma team, sur les 4 persos, j'en utilise que 3. Silly girl, Parce que Billy Visa, j'y girl, touche quasiment pas quand je me bats. Bah du coup ça vaudra peut-être le coup que tu la remplaces. Ouais, parce qu'en fait en gros je fais le bah, combo, je fais ulti Kenya, sort de Kenya et je passe au Diluc pour faire cri au feu. Mais oui. Et Noël, elle me sert que quand j'ai besoin de heal. Bah oui. Mais c'est pour ça que je me disais Tarta en 4, à la Ah bah limite. Tarta oui, hein. Tarta tu peux, et je te dis tu peux faire un Tarta et puis remplacer Noël par Bennett, Par c'est-à-dire quand tu Bennett, ouais. l'auras, waouh ça, à mon avis Ça ça peut peut cogner, je faire, pense. Hein. ouais, ça peut être pas mal, ouais, ça peut être pas mal. Bon, ça va, j'ai 19 jours pour drop Tarta. Bon si tu farmes bien, il y a moyen, parce Bon, que les t'as quand farms, c'est même... pas un truc qui me fait peur. Hein. Au début, t'as quand même pas mal de primo à récupérer et tout, donc. Étant joueur de Diablo 3, Diablo 4, j'ai pas peur du farm. Oui, je me doute. Busted. Les Diablo 900 heures par saison, c'est une formalité. Je crois que mon record en une saison, ça doit être 1200 heures. Ah ouais. Cette saison-là, j'avais tapé un top de Warg. J'étais heureux. Non, mais je m'en fous des quêtes. Je les prends pas maintenant, mais vous faire voir. Ah oui, sur Parce que deux fois que tu me fais interpeller, ouais, sur Fontaine, Fontaine, non. tu te fais interpeller. Non, je suis pas d'accord. Je ferai toutes les quêtes de Fontaine quand je serai à Fontaine. Ouais. Là, j'ai Là, pas ça fini veut mon stat à dire 100%. que si je reviens là. Et enfin, je me prépare un petit calendrier pour les jours où est-ce qu'il faut que je drop pour chaque perso. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, je suis en train d'essayer de vite avoir une team et de me focus directement. Ah bah oui, bah de toute façon c'est comme ça que tu vas avancer. Ah, mais les mobs à Fontaine, ils sont magnifiques! Oh oui, oh oui. Alors. En plus, vu qu'ils sont à mon niveau, je peux les tabasser. Un point de téléportation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut vraiment que je nage ici, par contre. Là, je vous déteste. Contrôle gauche plongée. Ah, c'est ici qu'on va sous l'eau. Oh, c'est trop beau. Oh, je viens de C'est plonger beau. pour la première fois, c'est trop beau. Oh, nom de Dieu. Là là, mais je sens que ça va être une dinguerie à faire sous l'eau là. Ah oui, ça c'est le sous l'eau, c'est une révolution qu'on attendait beaucoup et qui est arrivée un peu tard. Mais bon, qui Il y est a que arrivée cet quand endroit même. là qu'on peut aller sous l'eau du coup. Alors a priori, il y aura d'autres endroits, mais c'est Pas pas pour encore, maintenant quoi. ouais, c'est pas débloqué, je crois. Parce qu'autour de mon stade, il y a beaucoup d'eau quand même. Oui, mais c'est pour ça. Après, normalement, tu pourras aller partout. Oh, ça va être trop bien. En fait, le but, c'est de, d'après ce que j'ai compris, d'après leur, c'est de vraiment pouvoir aller partout. Good Peut-être que roll. ça finira dans les All airs. right, maybe I'll take one more day off. Alors, dans Lock les up the airs, il y rest a of the des workings chances and healing qu'on up y to it. monte, puisque si tu suis l'histoire, tu comprendras, on va dire. Parce qu'il y a Celestia qui est dans les airs, justement. Bon, par contre, la ville est belle, mais c'est une galère pour se déplacer, hein. Niveau 2, pas trop les Ah tâches. ouais. Au début, c'est vrai que Fontaine, moi je. Voilà, même si je suis habitué à jouer, au début j'avais une tendance à me perdre parce que c'est pas évident à se déplacer dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais tu Même la verras. musique d'ambiance, elle est Bah géniale. oui. Ok, donc je pense que si je rends la quête, ça me débloquera peut-être ce qui me manque. Bon, c'est cool, ça avance.
Merde, il est où la statue? Là, celui-là. Ok, c'est bon, j'ai repéré. Hop, on va tricher, on va escalader là. Et voilà, dernier TP débloqué. Maintenant, faut qu'on aille jusqu'aux échos des mers profondes. Non, c'est pas ça. Je crois que j'ai dit de la merde. Non, ma quête, elle est là. Ok. De toute façon, ça va t'amener à plusieurs endroits de fontaine, justement. Donc, de toute façon, tu vas débloquer quelques TP. Puisqu'en fait, tu vas voir les épreuves, elles sont à différents endroits. Ok. Allez, on va rouler. Alors. Quoi aussi où je me suis fait éclater le cul hier soir. Ah, j'ai essayé de faire un Hémoculus, un Géo, je crois. Pour Up Noël. Ah, boss, J'ai t'as pas rien réussi? compris au fight. Oh, c'est... J'ai vu qu'il a plusieurs formes et tout, faut attendre qu'il soit vulnérable. Alors... Il est facile en fait. Faut juste comprendre la mécanique. Ouais, faut juste comprendre la mécanique. Faut juste comprendre la mécanique. Parce que j'ai pas ce qu'il fallait pour Noël, je crois. Ouais, mais en fait, il te faut juste Noël dans l'équipe, je crois, de mémoire. Noël dans l'équipe, après tu prends n'importe qui comme perso et tu le passes tranquille. Il faut avoir compris comment ça marche. C'est tout. En fait, tous les. Les boss Alors, sont un pattern et. voilà, tous les boss sont ni plus ni moins qu'un pattern, quoi, et en fonction du pattern, voilà. Ah si, Et là. je me suis fait spoil d'un truc aussi sur Tarta, c'est un boss. Ah oui. Et ce qui paraît c'est trop stylé, donc j'ai trop hâte. Ah ben oui, clairement. Bah en fait, tu vas Il a avoir. une tête de gentil. Tu vas avoir Alors, il y a une tête de gentil, mais tu apprendras aussi des choses. Là, je te laisse découvrir, mais tu verras qu'en fait, il y a des boss qu'on appelle des boss mondes. Donc, en fait, Ouais. c'est quand tu ouvres ta carte, en fait, tu vas voir des ronds avec des têtes dedans. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les boss mondes, c'est-à-dire c'est des boss que tu as besoin de farm pour monter tes persos. Et en Ouais. fait, au bout d'un moment, en fait, il te faut des boss hebdo. Donc en fait les boss hebdo c'est des boss qui sont en général phasés, c'est-à-dire qu'en fait tu rentres comme si tu rentrais dans un donjon. Ça te coûte en général 30 primo les 3 premiers boss que tu fais et après ça te coûte 60 primo. Pas Je suis payé. primo, Ah, non pas résine. primo, résine pardon. Ok. Ça te coûte 30 résines et 60 résines pour une fois que t'en as fait 3. Et en gros, ça t'apporte en fait les dernières compos que t'as besoin pour passer les derniers niveaux des aptitudes et tout ça, pour Ok, avoir ouais. beaucoup de puissance, quoi. Ouais, j'ai le temps, quoi. Alors t'as le temps, mais par contre c'est intéressant de les faire le plus Dès que je rapidement peux, quoi. possible. Voilà. Donc en gros, comme je t'ai dit, le premier boss que tu auras,
C'est le dragon de Mondstadt. Lui, la seule exception, c'est que lui n'est. Storm Razor? Voilà, Storm Terror. Oui, je l'ai Lui, battu déjà une fois. voilà, lui en fait, la seule particularité qu'il a, c'est qu'il n'est pas faisable en multijoueur. Ok. Voilà, Bon, c'est il est le pas seul. compliqué à faire. Voilà, c'est le seul qui est pas faisable en multijoueur. Après, tous les autres, ils sont faits en multi. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que. Take it easy. On a pris l'habitude avec Pat, chaque semaine on fait trois boss, on fait au moins trois boss. Ok. Et pas parce qu'on fait ensemble, pas parce que c'est dur, c'est parce qu'on trouve plus sympa de faire les boss ensemble, quoi. Oh, ça doit être plus drôle. Voilà. Bah, c'est ça le côté de multi de Genshin, je le trouve sympa parce qu'en fait il est pas totalement nécessaire, c'est C'est juste un ça. plus. C'est ça, c'est un plus, il est pas. On va dire que tu n'en as pas forcément besoin, tu peux jouer solo, c'est vraiment un jeu qui se joue solo, mais si tu veux faire un peu de multi, mais par contre voilà, le multi n'est pas poussé à. C'est pas comme certains multi qu'on pourrait voir, c'est moins poussé quoi. Là, c'est vraiment on vient dans mon monde, on fait quelques C'est quêtes, on ça. s'aide ou on fait juste on farm ensemble et voilà. C'est ça. Et j'ai compris aussi pour certains personnages, faut farmer certains mobs dans la nature pour certains objets. Oui, bien sûr, ben, tout est. C'est pas certains persos, c'est tous les Ouais, persos c'est en tous. fait. Tous les persos ont besoin de certains combos. C'est pour ça qu'en fait, tu vas devoir identifier en fonction de tes persos que t'as, tu vas devoir identifier ce que tu dois farmer. Ouais, Que c'est ça il manquait soit des de. trucs pour Diluc hier et Ouais, que ça j'ai soit dans tout la cliqué sur le mob nature, et que ça ça se déboussole. soit. Voilà. Que ça soit dans la nature, les boss, tout ça. En fait, faut que tu arrives à savoir ce que tu dois farmer. Après ça va, ça t'indique assez facilement où est-ce que tu dois aller pour farmer tel ou tel objet, donc ça c'est vachement Oui, cool. et alors après je sais pas si t'as vu mais t'as le livre. Ouais, Voilà, avec écran. c'est ça en fait quand tu te sers du livre en fait tu peux savoir si tu vas par là, si t'as un besoin de farmer un certain mob qui est un peu rare on va dire, bah en fait ça te donne des emplacements. Et toutes les 2 heures, le livre il repop, tu peux redemander des emplacements. Progrès aussi qu'il faut que je continue. Renforcer 3 armes jusqu'au niveau 40. Oui, bah j'ai que des armes de merde pour l'instant donc ça va prendre. Je vais pas monter des armes à niveau faible juste pour ça. Là. Il paye pas mal ce personnage aussi. Ça? T'as de là la fille à qui tu parles. Ah oui. Bon, par contre, ils sont pas jouables ceux-là. Ouais, c'est pas du. Mais toi, c'est pas un PNJ que tu pourrais secourir, un serpent. Ils sont pas jouables. Bah oui. Yelan aussi, elle est classe. Yelan, très 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 bon perso. Très très bon. C'est Bon, une archère. franchement, c'est une archère, ouais. Mais passe-partout, tu peux mettre dans énormément d'équipes. Ouais, non. Vraiment très très bon perso. Pourtant, je suis pas un grand fan des archers, mais ouah, Bah si les quand même. archers, bah j'ai eu que Ember pour l'instant, l'archer. Puis bah, j'aime pas du tout quoi. Oui, Mais allons bas. c'est indispensable d'avoir un archer parce que t'as des trucs à faire, Tout à t'es obligé fait. d'avoir un archer en fait. Tout C'est pour à ça que je me fait. dis que Tarta dans l'équipe serait vachement cool. Mais c'est vrai que moi, Yelan, je disais, ouais, non, moi les archers, j'aime pas. La première fois qu'elle est sortie, mais clairement, je l'ai skip, quoi. J'ai pas été la chercher du tout parce que non, ben non. Non, non. Et puis en fait,
J'ai regretté parce que j'ai dit, quand même, c'est. Pas mal quoi. Ce perso a l'air incroyable quoi. Et en fait, là, la deuxième fois qu'elle est sortie, j'ai été la chercher avec son arme. C'est vraiment quelque chose que je regrette pas. Mais vraiment, c'est quelque chose que je regrette pas. Elle va vraiment avec beaucoup de personnages. Ouais, c'est un passe-partout quoi. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est un couteau suisse quoi. Tu pourrais la mettre avec Diluc, elle passe très bien. C'est vraiment. C'est. Pour moi, ça fait partie des persos indispensables. Ouais, c'est un des must-have à avoir, Voilà. c'est comme Zhongli ou. C'est ça. Zhongli, c'est un must-have. Elle, c'est un must-have pour moi. Après, dans les must-have, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça des must-have. Je pense que Raiden est un limite un must-have. Raiden, elle est classe. Ah ouais, et puis en fait, Raiden, s'il faut savoir, c'est que son ulti en fait fait revenir les ultis des autres plus rapidement. Oh, c'est trop fort. Bah oui, c'est trop fort. Ah ouais, pour moi, Raiden reste un must-have. Ouais, je mettrai Raiden en must-have. C'est Noël que je trouve Après. de Noël au départ c'était un peu un coup de cœur parce que j'adore son ulti, le fait qu'elle augmente la range de son épée, je trouve ça vachement classe, mais vu que c'est pas en main DPS, j'ai fait ah dommage, je l'aurais bien joué en main DPS. Ouais. Alors elle est jouable en main DPS, il me semble, mais il faut qu'elle soit C6. Ouais, c'est 6 Donc, quoi. ouais, il faut Ouais, qu'elle soit voilà. C6. Avant que je dise C6, j'ai un peu le temps. Alors après en Tendro, alors de toute façon, pour ce qui est du Géo, je pense que le must-have c'est Zhongli. Toi, je pense. Je pense qu'en Géo, tu devrais kiffer Ito. Ito, Oui. c'est lequel? Ah, Alors, c'est celui-là avec les cornes qui a l'air trop stylé. c'est ça. Ouais, oui, Je lui, ça a l'air d'être une voilà. dinguerie. Je pense que lui là, tu. Ouais, Arakatek, ouais, lui, oh là Ouais, là là lui, là. je pense que. Ah, lui, ça, c'est Voilà. carrément aussi. Parce que je suppose que c'est épée à deux mains ou une grosse masse. C'est épée à deux mains. Ouais, voilà. Alors, c'est épée à deux mains et en fait, il a clairement une masse. Son arme de prédilection, c'est une masse. La vache. Et clairement, ce perso, ouais, pour toi, je pense que, ouais. Ouais, ça c'est. Et très Je sais très pas qu'on bon. m'a filé si on m'a donné un autre compte mais qui est déjà monté. Genre je crois qu'il est AR 40, 40 et quelques. D'accord. Et dessus j'ai Kazuha, Raiden, Yelan. Et Ah, j'ai pas mal. énormément. Je peux faire genre quasiment 300 vœux je crois. D'accord, ah, pas mal. Qui est énorme, sauf que bah y a rien de monté dessus. Et comme ça fait bah, déjà une grosse partie des quêtes, Et ça me fait ouais, un peu chier quoi. c'est moins intéressant. Ouais. Pour ça. Après, clairement, perdre le côté des quêtes, c'est assez compliqué. Bah ouais, j'ai pas Ça l'histoire et tout. vaut vraiment le coup de le faire. C'est pour ça, donc je me suis dit, autant que Ça. je fasse les quêtes, et si j'ai vraiment que dalle dans les drops, sur ce compte-là, bah au moins Charmante. sur l'autre, j'ai déjà un Kazuha, Raiden, Yan et énormément de vœux à faire quoi. Ça peut être intéressant une fois que Et t'as de ce fait que j'ai les. vu, juste une team Kazuha, Raiden, ça peut être n'importe quoi. Oh bah oui, clairement. Clairement, Kazuha et Eden, de toute façon. Donc je mets le compte de côté. Et pour l'instant, je joue sur le Diluc parce que j'adore. Ouais, je pense que pareil, après il te faudra un perso d'Andro, mais t'en as un qui t'est offert automatiquement normalement. Après, s'il faut un vœu un peu sur Zhongli, je recherche Zhongli, vu que c'est un must-have, il me servira toujours, quoi. Ah oui, mais de toute façon, Zhongli c'est un must-have, ça c'est sûr. En fait, après, Oula! tout dépend ce que tu joues, quoi. C'est toujours pareil. J'ai un menu qui s'est ouvert, algorithmique. Ah, c'est ça, si, c'est le truc que tu m'as montré tout à l'heure. Alors, faut que je fasse algorithmique en premier. Ouais, je pense que là, on a résumé, moi ce que je trouve, ouais, il n'y en a pas d'autres que je trouve après. Après les autres sont modulables, t'es pas obligé de faire.
Je vais essayer d'enchaîner les 4 le plus vite possible. Et je mettrai Bennett à la place de Lisa. Il me sert à rien. Alors, t'es sur quoi? T'es sur les algorithmes? Voilà, accéder au défi. Suivre. C'était quoi déjà les algorithmes? Je m'en rappelle plus. C'était quoi ça? Alors, battement précis. Calibrer le jouet, qu'est-ce que c'est? Célébration du jouet va commencer. Ouais, ça a pas l'air d'être compliqué du tout. C'est parti. Non, c'est pas compliqué. Stabilize. I will have order. Rain outlines your face. Know my sword. Let me catch it. Here comes the catch. See? Ouais, si, en 4 étoiles, Zinkyu est aussi un. Au moins un incontournable. Et par contre, c'est du 4 étoiles, c'est pas du 5. Gather! This is order. Rain outlines your face. Rip, bust it. You are about to get dead. 100%. Ah d'accord, ok. Ok. J'en ai raté un sur celui-là. Ah non, c'est pas grave. Normalement, tu fais quand même le sens, enfin, tu fais quand même toutes tes récompenses. Hop, et là, je fais le dernier niveau.
contre le dernier. Techniquement, j'ai tout fait. Très bien ça. Solidify. No, my sword. Let me read you a verse. Huh? Gotcha. Game's up. Time's over. C'est une quête solo de ce que je comprends. Oui, tu vas avoir des parcours à faire solo. Ok. C'est pareil, c'est bidon, mais c'est en fait tu verras, t'as des cercles, ça avance tout seul et en fait tu utilises ZQSD pour te déplacer ou en hauteur ou Ok. vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Ça c'est pareil, c'est le cadeau. Ça devrait pas te prendre beaucoup de temps. C'est moi Méli-Mélo, je sais plus, mais je l'ai streamé Méli-Mélo. Mais j'avais mis de temps sur Méli-Mélo, fais voir. Méli-Mélo, je l'ai fait en 1h20 moi là, toute la quête. Thank you.
Ok. C'est ça là, la pierre sous l'eau. Ah mais d'accord, j'avais pas le bon truc. Ok. Juste que j'avais pas le bon monstre. Stabilize. I will have order. No, my sword. Huh? Huh. Ring cutter. Here comes the cat. Huh. 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 Let me leave you quiet for now. Huh? Time to go. Je sens qu'il va nous la mettre à l'envers, le mec là. Le Virgile. J'aime pas son nom en face. Thank you.
Arrête de te mettre devant les mobs. Il reste combien de temps? 4 jours sur celui-là, ok. Tu ventes ça. J'aime bien Kazuya. Kazuya. Il y a Edilu que ça marche bien, je trouve. Oui, oui, oui. Après, je suppose, de toute façon, à la fin, il faut plusieurs teams pour certains boss. Alors, c'est pas plusieurs teams pour certains boss, c'est que, bah, en fait, tu auras des boss qui seront plus faciles à passer parce que tu auras tel élément ou tel élément ou tel team. Mais après, le plus subtil, que tu n'as pas encore l'habitude, c'est ce qu'on appelle les profondeurs ou les abysses. Oui, ça j'ai vu que c'était vraiment le contenu in-game. Voilà, là c'est le contenu in-game. Voilà, donc en fait tu vas le débloquer assez rapidement. Bon, en fait tu pourras commencer à faire des niveaux. Donc ouais, les niveaux déjà de. Voilà. J'ai fait le premier, je crois. Et en gros, à partir du niveau 4, je crois que tu as Xiangling qui te sera offert. Ouais. Voilà, donc ça c'est un perso en plus et on crache pas dessus. Surtout qu'il est pas dégueulasse. Voilà, donc en fait, et puis après, en contenu in-game, ça pique. Voilà. Donc après, c'est tous les 15 jours, en gros, tu fais ça. Donc moi, ça c'est pareil. Là, je vais pas tarder à les faire. Là. Faut que je vois, parce qu'en général, je le stream aussi, ça. Je vais pas tarder à m'y attaquer aussi. A priori, ils sont plus faciles. C'est un peu plus facile, a priori ça, les gens se plaignent moins. Parce que c'est, des fois c'est très très dur. Et là a priori ça. Ils sont pas si durs que ça là, ça va mieux. Ok, donc si je fais ça. Ouais, de toute façon le jeu est faisable avec une seule team. C'est ça, et en fait il est faisable. Alors en général il faut deux teams parce que les profondeurs en fait t'es obligé d'y aller avec 8 persos. Ouais, là, le premier c'était que 4 mais j'ai vu qu'après. C'est ça. Donc en fait il te faut deux teams. Et après si tu vas par là, là où en fait tu peux varier si tu suivant les suivant ce que tu vas avoir dans les profondeurs en fait, il y a certains éléments qui vont avoir un avantage sur d'autres. Donc, ouais, moi coup, j'avais le feu qui avait plus de dégâts. Ah. Donc du coup après t'as un avantage qui se crée quand t'as beaucoup de persos quoi. Après en sachant que les persos ça vient, y'a pas de problème, les persos j'en ai plus que quoi savoir en faire quoi. Alors je sais comment faire, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il n'y a pas à se plaindre, on en a des persos. Putain, mais j'ai l'impression que cette map, plus j'avance, et plus il y en a. Putain, j'ai encore plein de choses à faire. Donc là j'ai de la fée, Métianisme... Ok, défi, super. Défi. Donc ça veut dire ce point-là, j'ai pas dû trop y aller. Ouais, donc là aussi, il y a du mécanisme ici. Oh, attends, j'ai un gros robot là. Je sens pas. Mécanisme ici.
Pourtant, il y avait un TP juste à côté, quoi. Ouais, là, il y a aussi d'autres trucs. Wow, super, il y en a là aussi. Celui-là, je vais peut-être me le faire. This is order. Witness the power of Gowa. Rain outlines your fate quietly now. Il y a un déchet là-bas. Donc il faut qu'on tabasse le gros robot. Cool. Génial. Alors t'es niveau combien mon salaud? Et là, tu rentres en scène. Take it easy. Ça, il était facile à passer. Attends, pourquoi il se vide? Busted. Stabilize. Let me leave you a burst. No, my sword. Game's up. Time's over. Okay.
puis celui à l'infini, quoi. Le robot qui se heal à l'infini. Ouais, dans la quête, tu dois tuer un robot, il se régène, tu le retues, et après faut casser le verre. Hein. Non, je suis pas du tout en train de faire la bonne quête, c'est ça? Peut-être, non, je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est un petit moment que je l'ai fait, et puis je vois tellement passer de tiède que... Magnifique par contre sous hein, c'est incroyable. Ouais. Allez, si, allez, j'ai des anneaux à passer sous l'eau. Les poissons et tout, c'est incroyable. Ils ont vraiment réussi à mettre dans l'ambiance totale. C'était l'autre jeu de Oyoyo que j'avais fait, Honkai Impact. Alors t'as fait Honkai Impact, enfin, okay. J'ai commencé, ça m'a vite saoulé le tour par tour. Ah non, t'as fait le Star Rail. Ouais, Star Rail, pardon. Ouais, ah, j'aime bien moi, je le fais aussi en parallèle. Ouais, tour par tour c'est vraiment pas mal. Ah, c'est plus posé comme jeu, moi ça me rappelle Final Fantasy 7 moi. C'est vrai. Le dernier Final Fantasy que j'ai fait, c'était quoi? C'était sur PS4, celui-là où tu as la voiture, où fallait faire attention à l'essence, parce que s'il tombait en panne, c'était la merde. C'est dans les derniers, ouais, ça, non? C'est dans les derniers, ouais. Ouais, c'est le 15, je crois. J'avais bien aimé. Ouais, il était bien, il était cool celui-là. Très très bon. J'avais trouvé dommage par contre qu'il provoque l'histoire trop rapidement, la fin de l'histoire. En fait, je sais pas ce qu'il leur a pris d'aller mettre justement à partir de du chapitre 5, là en fait, t'es provoqué en fait, t'as du mal à faire les quêtes annexes parce qu'en fait, ils te provoquent trop à partir dans la fin de la quête, quoi. Ça, je trouvais ça dommage. Par contre, il est excellent. La voiture, c'est un truc total. Take it easy. Ah, non, j'ai pas fini. Ah si, j'ai tout fini. Les récompenses. Ok. J'ai juste pas pris les récompenses. Non, mais bon. Pas mal de sous, hein. Ah oui, clairement. Ah, l'ombre goûtée, il est magnifique, j'adore. Ça, c'est le désert de Sommeron. Là où il y a les épines blanches avec le porte-avions au milieu. Alors, ça. Non. Alors, fait, le portail. Là, tu vois, moi, je suis au désert où en fait, t'as un tourbillon devant à l'intérieur. Toi, en fait, ce que tu disais, c'est cette partie-là. Ouais. Que t'as vu, toi. Ouais, là, la brèche de. Ouais. C'est magnifique, ça. C'est ça. Là, c'est magnifique ici. Et en plus les mécanismes pour les coffres là c'est terrible, ils sont hyper bien. J'ai pas tout fait justement, après cette partie là c'est là où je vais. Parce que là en fait j'ai beaucoup à faire ici. Ouais. Mais cette partie là, ouais, elle est régale, franchement ça en fait quelque chose de vraiment bien. Et ce que je trouve énorme, ce que je disais, c'est que les mécanismes pour les coffres, à Mondstadt, il y a une certaine façon, à Liyue, il y a une autre façon, et à chaque fois que tu changes de région, il y a une autre façon. Et ça reste moins... tu vois, c'est pas toujours la même chose, quoi. Et ça, c'est bien, franchement. Alors là, du coup... Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis un défi. C'est peut-être celui-là que j'avais vu. Ouais, c'est celui-là.
Par contre, là, j'ai vu qu'il y avait une fée ici. Bon, go à Popplewed. Alors. Bah non, c'est en bas, je suis con. Fée. Je vais aller récupérer le dindon. Ah, oh, ça, j'adore les ramasser, ces trucs-là. Là. Il y en a qui sont assez durs à récupérer. Ouais. Dans les bleus, je me suis bien amusé. Par contre, c'est normal qu'il en reste un à la fin. Oui, c'est normal. En fait, il va toujours t'en rester. On les fait. Oh là là, putain, j'ai pas fait là. Ok. Donc, ça veut dire ici. Si on va plus loin ici. Je croyais que. Est-ce que j'ai mon. Attends, fais voir. Est-ce que j'ai mon détecteur? J'ai l'air d'avoir un paquet de trucs à faire dans l'océan. Bon, je fais bien la quête de Bennett, hein, parce que. Attends, quoi. Si, c'est méga méga, c'est ça. Et pour avoir Bennett, il faut aller jusqu'à 2400. Ok. Boutique de l'événement. Ah, d'accord, on pourra acheter. Bah, je suppose que la couronne faut absolument toutes les acheter quand on en a. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle couronner un personnage. C'est en fait, par exemple, si tu prends certains persos, ça va être par exemple l'ulti qui va être intéressant parce qu'il fait énormément de dégâts. Et dans ces cas-là, tu le couronnes, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas lui faire passer le niveau le plus haut qui existe justement pour ce sort-là. D'accord. Et du coup, il fait vraiment des dégâts. Alors, pour le coup, il y a ça. Knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Je crois que le premier que je vais couronner, ça sera mon diluc, je suppose. Alors, ça c'est toi qui le décidera en fait. Et ouais. En gros, si. Alors, diluc. Qu'est-ce qu'ils disent, diluc? On couronne quoi chez diluc? Alors, je pense que c'est ce qu'on appelle le E donc, en premier. Ouais, c'est le truc qu'on utilise, que j'utilise tout le temps. Ouais, c'est le E que tu couronnes en premier. En fait, si tu vas par là, en premier tu vas couronner un seul sort. Parce qu'en fait, tu vas préférer couronner un sort sur chaque perso. Et puis après, une fois que tu as des teams, par exemple, que tu es sûr de vouloir jouer beaucoup, bon, en général, si tu peux te permettre d'aller mettre deux couronnes. Bon, par exemple, ma team la plus celle que je joue là, hein. Et donc du coup, moi mon perso principal c'est Utao. Utao, ouais. elle est couronnée deux fois. Elle est couronnée okay. sur son E et elle est couronnée sur son attaque normale. Busted. Ouais. Ça c'est cool qu'il y ait des quêtes pour avoir des personnages quand même, que tu sois pas obligé de les poules ou. Oui, bah en général t'as quand même. Alors régulièrement on va te donner une arme 4 étoiles ou un personnage. Ok. Qui ça a touché? Et là c'est devant, j'en ai pas évidemment. Je vais aller un peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah non, il y a des coffres là-bas. Défi terminé. J'avais marqué là ou pas? Oui. Ok. Et il y a un TP à aller prendre. Et tu respires à l'infini souvent? Oui, en fait, si tu vas par là, avant tu ne pouvais pas respirer, tu pouvais pas aller sous l'eau. Dès que t'avais plus d'endurance, tu tombais dans l'eau. Voilà, et tu te noyais quand t'avais plus d'endurance.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la sortie de Fontaine, ils ont décidé justement d'enlever cette problématique et de faire en sorte justement que tu. Mais déjà que tu puisses plus te noyer quand tu es fatigué et que tu nages. Parce qu'en fait, bah, ça s'est jamais vu. Toi réellement, quand tu es fatigué, tu arrêtes de nager, tu fais une pause sur place et puis tu repars quoi. Et ben en fait tu te noies pas quoi. Et en fait tout le monde leur a dit c'est logique ce que vous avez fait et donc du coup ils ont remodifié. Et maintenant en gros tu peux ben, nager en surface et tu te noies jamais et puis après tu peux aller sous l'eau. On a pu ramasser des poissons aussi. Oui, tu peux ramasser des poissons, des... Trop de choses à faire, vraiment. Ah oui, non, mais là, toi, c'est incroyable ce que t'as à faire. Mais là, C'est j'en ai pour incroyable. plusieurs mois avant de tout faire, quoi. Hein? Ah ben oui. Oui, clairement, oui. Je me connais, hein. S'il faut que je lâche 900 heures, je vais lâcher 900 heures. Rien à foutre, hein. Ah, alors, tu vas lâcher des heures, mais en fait, t'imagines pas tout ce que t'as à faire. Mais clairement, Déjà, juste mon t'imagines... stade, j'ai fait putain, ça en finit pas, nom de Dieu. Non, non, mais t'as rien vu parce qu'après t'as toute la partie où en fait t'as la crête histoire de chaque personnage et tout. Ah, ça, j'ai vu ça, faut T'as dépier déjà les vu ça? légendes. Ouais, j'ai vu, mais ça Voilà. va être trop bien, je vais faire ce deuxième Voilà. direct. Et bien en fait t'as ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certaines quêtes où en fait tu vas retrouver un boss de monde, un boss hebdomadaire, pardon. Ok. Voilà. Sur l'histoire de Zhongli, en fait, tu débloques un boss hebdomadaire. Donc c'est pour ça que je dis non des choses à faire. Oh là là mon dieu. Oh, ça Alors m'arrange. là. Ça te fait une petite pause de League of Legends. Là, il doit y avoir un pylône par là. Ah, mais Genshin il marque. Genshin. Ça sera un jeu qui aura marqué une période, ça c'est sûr. Alors là-bas il y a un dendro. Dendro. C'est bizarre que l'on conserve le centre avec. Solidify. Order guide you. Ok. Un truc. Ok. Ok. Je le jean pour ta mémoire. Ah, mais voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc. Et voilà, je l'ai trouvé. Alors, il y a un pilier. Le son sous l'eau est magique. Juste l'effet graphisme et l'ambiance, tu t'accroches direct. Ah là, le mélange qu'ils ont fait est bien, j'avoue. Je peux pas dire le contraire. Ok, des jeux, ça fait des années que je mets plus le son, mais oh non, des jeux, musique.
Ah mais Denshin a des musiques que moi personnellement je considère comme épiques, qui en fait sont tellement agréables à écouter, tellement... Rain outlines your fate. Je croyais arriver au bout de la zone, mais je crois que je suis pas encore arrivé. Sur ce mire, les défis m'emmènent à tous les points de TP, c'est génial. Take it easy. Je suis venu ici. Easy money. Hut. Hut.
C'est rien ici. Non, il y a un souterrain, putain. Oh la 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 la. Pipipipipi, ok. Par contre, Fontaine, les sous qu'il donne, c'est incroyable. 10 000, 10 000, 15 000. Mais c'est pas la criche, ils ont mal copié la France là-dessus. Ouais, j'avoue. Les bulles dans les moments, c'est vraiment pas sympa. C'est pas cool. Hein. Ah, c'est des deux monstres sous l'eau aussi, elle est magnifique. J'ai l'impression d'être un enfant en découvrant le jeu, c'est incroyable. Et du coup sur sous l'eau en fait tu peux te battre contre des bestioles sauf qu'en fait tu faut emprunter le pouvoir hein, c'est oui. Ça faut emprunter les pouvoirs des animaux qu'il y a dans l'eau, faut attendre le cooldown et tout c'est ça, un peu chiant mais ça va, ça change. Voir quand t'as pris le coup ça va. Comment faut faire ça? Les bulles qui sont retenues par les algues, faut bien juste tirer sur les points verts, c'est tout. Alors, il faut tirer sur les points verts, mais tu as des fois en fait, faut que tu tapes tous les points verts en une seule fois. D'accord. Okay. Donc, il faut que tu cherches le bon alignement. Ah, pour rester appuyé, ok. Ok, d'accord. Quiet now. Je vois le coffre en 30 secondes. C'est fait. Je n'étais pas sur le bon défi, ma foi.
bon de savoir sur quelle couche on est. Oui. Ça serait là du coup. Je comprends pas où c'est. Easy money. Je vais partir d'ailleurs. C'est en dessous. Ah, peut-être là-dessous. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Bon, allez, bientôt 2 heures, je vais pas tarder à arrêter. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Où est-ce qu'il est? Dieu. T'as un problème à trouver quelque chose. Le dernier tour. Le dernier défi à faire, en fait. Je le laisse sur ma carte, mais... Si, sur le Québec, il y a la même couche. Techniquement, je vais aller. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you?